Bien sûr qu'on condamne toute forme de violence, mais moi qui étais dans le cortège, je ne sais pas si des activistes étaient en tête de cortège. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on n'était pas encore arrivé sur la bassine, qu'on a commencé à être sous le feu de tirs, de fumigènes, enfin de, pas de fumigènes, de lacrymo et de grenades assourdissantes. On n'était pas arrivé, personne n'avait lancé les hostilités. Les premiers à déclencher des tirs sont les forces de l'ordre. Je suis désolé. Et puis après, moi, je vais vous raconter une histoire plus personnelle que j'ai vécu cet après-midi. On avait des gens qui étaient gravement blessés, dont je pense sont en urgence absolue encore au moment où on se parle. On a essayé de constituer une infirmerie de fortune dans un endroit un peu reculé. À un moment donné, on a vu arriver ces escadrons de quad, là, qui sont des nouvelles méthodes pour, j'imagine, mater les manifestants. Et nous, les élus, avec nos écharpes d'élus, des élus, des députés européens, des sénateurs, des députés, on s'est mis en protection de cette infirmerie improvisée sur le bord de la route, et on s'est fait complètement gazer avec des grenades assourdissantes en plein milieu de la zone d'infirmerie où il y avait des gens qui étaient en grave difficulté de santé. Eh bien, je vous dis, ça ne respecte plus aucune éthique. Ça respecte. Benoît Biteau, on comprend votre colère et on ne remet pas en cause ce que vous avez vécu. Gérald Darmanin, lui, a dit l'inverse tout à l'heure. Hein. Il s'est exprimé aux alentours de 17h. Il a dit que c'était des manifestants qui avaient empêché les forces de l'ordre de faire évacuer les blessés. Et on ne remet pas en cause ce que vous dites. Je voulais vous dire, on a dû appeler le cabinet de Mme Borne pour déclencher la venue du SAMU sur place. Et une fois qu'on a eu appelé Mme Borne, le SAMU s'est déplacé. Donc c'est absolument faux. Monsieur Darmanin, il n'était pas sur place. Moi, je peux témoigner. J'ai des images à votre disposition, si vous voulez, pour vous montrer ce que j'ai vu.